avant de vous montrer exactement tout ce que j'ai mis dans mon petit salon, donc je vais d'abord vous présenter ma porte de la salle de bain. Voilà, je voulais vraiment vous la présenter parce que j'en suis assez fière. Donc j'ai acheté ceci à Maison du Monde. Ensuite, je l'ai peinte en gris anthracite. Et donc j'ai mis, bon, comme vous voyez, des petites couleurs blanc et doré. Et tout ce qui est moulure, en fait, comme vous le voyez ici, donc la petite moulure ici, vous voyez, comme ceci, même au niveau du bas, juste ici. Et vous en avez également ici, donc c'est vraiment des morceaux de bois, en fait, que j'ai acheté à Casto. Donc voilà, si vous aimez ce genre de choses et que vous n'avez pas trop les moyens d'acheter des trucs hyper chers, vous pourrez prendre ce genre de bois, vous le peignez et puis bah, pour le fixer, des petits clous sans tête parce que sinon c'était juste une grosse galère avec la colle qu'ils m'ont donnée. Donc voilà, si vous aimez ce genre de porte un petit peu style baroque, bah, n'hésitez pas à prendre ces petits morceaux de bois. On passe donc ensuite au salon. Donc je vais commencer avec la coiffeuse que je vous ai présentée lors du rangement make-up. Donc c'est une coiffeuse que j'ai achetée chez Amazon. Elle est assez grande. Je la trouve vraiment très jolie parce qu'elle fait très très chic tout en étant simple. C'est pas du too much, j'ai envie de dire. Donc voilà, au niveau du miroir, il est très travaillé. Il est assez grand comme vous le voyez. J'avais de quoi mettre pas mal de make-up dessus. Alors j'ai juste changé, c'est les petites poignées. Donc comme vous voyez par exemple ici, c'était pas une poignée en plissage, c'était une poignée un petit peu plus simple. Mais donc voilà, j'étais tout simplement chez Casto, j'ai juste changé les poignées donc pour mettre celles-ci. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus jolies. Donc voilà, puis vu que c'est pas mal de déco argent, cristal, donc ça rendait bien. Et puis ensuite, vous aviez avec ce petit tabouret donc baroque. Donc ça, c'était vendu avec la coiffeuse. Hein. On passe ensuite à cette petite armoire que j'ai achetée à la Foire Fouille, que j'ai dû payer une soixantaine d'euros. Donc vous l'avez vu, je pense, si vous avez vu la vidéo make-up, il y a pas mal de rangements dedans et de place. Donc voilà, tout ce qui est palette et tout, j'avais rangé dedans. Et après, au-dessus, donc j'ai mis une petite lampe. Donc cette lampe-ci, je l'ai achetée à Maison du Monde. Je la trouve mais magnifique. Alors c'est une lumière tamisée qu'elle donne. C'est pas une lumière hyper violente ou très très blanche qui va éclairer. Donc c'est vraiment pour tamiser l'ambiance. Et après donc j'ai acheté aussi également ce petit bouquet de fleurs on va dire. Donc voilà. En fait c'est des fausses fleurs que j'ai achetées à la Foire Fouille. Mais je la trouvais mais trop trop jolie. Et regardez comment c'est au niveau du pot. Ça fait vraiment un petit style ancien. C'est magnifique. Donc voilà, j'ai acheté ceci à la Foire Fouille et ça coûtait même pas une vingtaine d'euros, donc pourquoi se priver? Et ces deux petites choses que vous voyez transparentes, donc bah, j'ai acheté sur Action. Donc voilà, je sais pas comment on appelle ça, ces deux petits trucs transparents, c'est des petits bocaux ou j'en sais trop rien. Donc voilà, enfin, pour vous dire, c'est des petites choses qui sont pas trop chères et qui rendent mais super jolies. On passe ensuite donc au chevet. Alors ce chevet-ci, je l'ai acheté sur eBay. Donc c'est un vendeur qui est assez sérieux. Généralement quand j'achète sur eBay, je regarde bien bien les notations. Hein, mais j'ai reçu donc ceci très rapidement. Après donc, qu'est-ce que j'ai mis dessus pour décorer? Donc déjà j'ai mis une lampe que j'ai aussi achetée sur eBay. Alors ce vendeur-ci, il est. Je préfère quand même vous le dire, je vous mets les liens. Mais quand j'ai reçu ma première lampe, elle était cassée. Donc ils m'en ont envoyé une autre effectivement. J'ai été remboursée, mais j'ai un petit peu galéré. Donc je préfère vous le dire quand même, hein. C'est vrai que tout ce qu'ils vendent c'est magnifique, mais pour recevoir les produits c'est un peu galère. Hein. Cette petite ananas que vous voyez argentée, donc qui va très bien avec cette lampe, je l'ai achetée à Action. J'ai rajouté donc un petit cristal, donc voilà, ça rappelle également donc, les poignées de la coiffeuse. Et ensuite donc ce petit bocaux, donc moi je l'avais acheté, il me semble que c'était à Truffaut ou à Action. Et j'ai tout simplement rajouté, donc voilà, comme vous voyez, des petites fleurs dedans. Donc des fausses fleurs pour faire un petit côté déco. Donc voilà, c'est vrai que je mets beaucoup, beaucoup de fausses fleurs, mais au moins, ça ne demande pas d'entretien. Et puis, voilà. On va passer ensuite au canapé. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est de mettre une petite guirlande comme ceci. C'est une guirlande lumineuse. Donc je fais pas mal de vidéos ici. Je pense que vous l'avez déjà remarqué. Alors, les petites guirlandes que j'ai ici, je les ai achetées à la Foire Fouille aussi. Donc, elles étaient vraiment à un prix très abordable.
Ensuite, j'ai mis une espèce de grosse couverture blanche toute molletonnée sur le canapé. De base, il est un petit peu beige en fait. Et voilà, bah, moi je voulais vraiment mettre une couverture blanche pour que ça aille avec le tout. Par contre, sachez-le, c'est hyper galère. Donc, quand il y a des gens qui viennent à la maison, la première chose que je pense, c'est « Ah, pourvu qu'ils ne me salissent pas ma grande couverture !» Mais voilà, pour vous dire vraiment que c'est magnifique. Malgré effectivement qu'on puisse tous aller, hein, c'est pas grave. Après, vous avez donc les petits coussins ici AliExpress. Donc, c'est des coussins, ils sont juste mais magnifiques. J'ai dû les payer peut-être 10 euros chacun. Regardez comment c'est trop beau. Les finitions, franchement. Et celui-ci, mais ah là 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 là. Non, mais regardez-moi ça. Donc voilà, pour habiller le tout, c'est des coussins qui font style un peu shabby. Alors, juste quand même pour que vous le sachiez, le coussin, je parle en fait de... comment on dit déjà, c'est pas le coussin en lui-même, hein, c'est la housse de coussin, voilà, qu'ils vendent. Hein. Mais bon, après, vous trouvez un autre petit coussin et puis bah, ça fait l'affaire. Hein. Mais au moins, je sais que j'ai des coussins que d'autres n'ont pas. Donc, voilà. Après, donc, on va passer de l'autre côté. Donc, c'est un deuxième chevet. C'est exactement le même chevet que j'avais mis, en fait, de l'autre côté. Donc, voilà. Je voulais vraiment faire un petit style chevet avec les mêmes lampes. Je trouve que ça fait hyper classe. Donc, voilà. Bah, de toute façon, ça va être un petit peu... cette fois-ci, du coup, du revu. Hein. Donc, voilà. Le chevet que j'ai acheté sur eBay. J'ai également donc mis la même lampe aussi de ce côté-ci. Ces petites fausses fleurs, bien évidemment, achetées donc à la foire fouille. Et après, j'ai aussi cette petite déco argentée qui rappelle aussi encore la lampe. Donc celui-ci, je l'ai acheté, c'était à Action. Donc voilà, vous pouvez mettre une petite bougie dedans. Je trouve ça très joli. C'est un petit côté un petit peu oriental. Donc voilà, enfin moi j'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu oriental. Donc voilà pour ce deuxième chevet et je trouve que franchement le rendu est juste mais trop beau. Donc voilà. Après on va passer donc aux rideaux. Les rideaux, je les ai achetés, c'était à la foire fouille. Donc voilà, je les aime bien. C'est des rideaux qui sont un petit peu occultants et je trouve que au niveau du design, franchement, c'est trop joli. Donc voilà, c'est des rideaux beige marronné, donc pour avoir des couleurs assez claires au niveau du salon. Ensuite, au niveau du milieu de la salle, donc j'ai installé un tapis blanc. C'est un tapis blanc que j'ai acheté à Maison du Monde. Donc, il est magnifique, mais au niveau entretien, bah, comme je vous l'ai dit, c'est aussi une pure galère. Je ne sais pas comment nettoyer ça, hein, pour vous dire. Mais bon, en tout cas, il est vraiment magnifique. Hein. Franchement, le rendu, il est top. Et j'ai acheté cette petite table, c'était aussi sur un vendeur sur eBay. Donc voilà, je l'ai trouvée aussi très belle. Regardez au niveau des finitions, la même chose. Donc au niveau des tiroirs, franchement, voilà quoi. C'est des choses que vous ne trouvez pas n'importe où. Comme vous avez peut-être pu le remarquer si vous êtes observateur, donc le chemin de table, en fait, c'est la même chose que les coussins que j'ai mis au niveau des canapés. Donc j'ai acheté ça forcément aussi sur AliExpress, c'est le même vendeur. Donc voilà, ça fait un petit rappel avec les coussins. J'ai acheté ce petit pot de fleurs pourries à Jiffy. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on dit fleurs pourries, parce qu'elles sont pas pourries, mais bon. En tout cas, pour vous dire que ça sent super bon, c'est super joli. Je crois que j'avais payé en plus une dizaine d'euros. Le petit plateau ici, je l'ai acheté à Action avec les petites bougies, pareil. Ensuite, donc les petits strass, je les ai rajoutés. Et puis, donc, ce petit pot de fleurs, pareil, il me semble que c'était Action. Et puis, bah, là, la même chose. Donc, c'est un grand pot que j'ai acheté. Et ensuite, bah, j'ai rajouté les fleurs dedans. On va ensuite passer à cette armoire-ci qui est juste trop beau, que j'ai aussi acheté donc, sur eBay. Je le trouve mais magnifique, cette armoire. Donc, alors, vous avez deux petits tiroirs, en fait. Ici, je range mes chaussettes, mes collants. Et après, donc ici, je peux ranger tout ce qui est t-shirt, enfin voilà, tout ce qui est autre fringues, même accessoires. Au niveau de la déco au-dessus, donc vous allez retrouver des choses que vous avez peut-être déjà vues. Alors, on commence donc par la chose effectivement que vous avez déjà vue. Donc, c'est ce petit vase de fleurs acheté à la foire fouille. Là, vous le voyez mieux en plus, donc voilà. Regardez comment c'est beau, tout simplement.
Et je sais pas si vous avez vu, en fait, ici, donc ce que j'ai mis en espèce de chemin de table, c'était presque similaire, en fait, au rideau. Donc voilà, vous voyez. Donc du coup, je me suis dit, ça faisait un beau rappel aussi. Donc voilà, un petit chemin de table qui rappelle les rideaux. J'ai acheté ces petites bougies. Donc ces bougies, en fait, je les ai achetées sur le même vendeur que la lampe, hein, et que voilà, les deux lampes blanches que je vous avais montrées juste à côté du canapé. Et ce vendeur-ci vendait aussi des petits trucs comme ça. Je sais pas si c'est un vase. Je pense que oui, on peut appeler ça un vase, tout simplement. Donc, j'ai acheté ce petit vase et j'ai juste rajouté donc des fleurs dedans et un petit caillou. Alors, ce petit caillou, il a une valeur sentimentale. Peut-être que je vous en parlerai un jour. Donc, voilà. En tout cas, c'est un truc que j'ai gardé depuis des années. Donc voilà, je le garde avec moi. C'était un cadeau qui m'avait vraiment touchée. Et puis, donc ça, ensuite, j'ai acheté Action. Ce petit truc où on met la bougie dedans. Comment on appelle ça? Je ne sais plus, mais en tout cas, je trouve ça super joli aussi. Donc voilà, au niveau du rendu, ça rend pas mal du tout. La lampe, je l'ai achetée aujourd'hui même à Maison du Monde. Elle est magnifique. Elle m'a coûté 50 euros. Donc voilà, et franchement, elle est super grande. Oh, elle est classe, elle est belle. Et franchement, c'est pas cher pour ce que c'est. Hein. Au niveau du mur. Alors celui-ci, ce petit tableau, on va dire, je l'ai acheté encore sur Little Market. Donc voilà, c'est des personnes qui font des choses main. Donc c'est des choses à peu près uniques, on va dire. Et hyper originales. Je vous conseille vraiment d'aller sur ce site-ci si vous cherchez des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ensuite, donc j'ai mis une petite frise, comme vous le voyez. De base, les murs étaient tous blancs, hein, pour vous dire quand je suis rentrée dans l'appartement. Donc là, j'ai rajouté une frise que j'ai achetée à Castorama. Et j'ai rajouté en dessous du papier peint. Donc voilà, et regardez comment c'est trop, trop joli. Je trouve que ça va super bien avec le décor. Alors, je me recule un petit peu pour que vous voyez bien. Mais regardez comment ça rend. Mais oh, moi, j'adore. Je suis fan. Hein. Après, pour le meuble télé, donc toujours acheté sur eBay cette fois-ci. Donc, c'est un meuble télé, pareil, bah, shabby tout simplement. Donc, voilà. Vous avez un petit tiroir en dessous et deux grands tiroirs. Et moi, ce que j'ai bien aimé là-dessus, donc c'était les petits cœurs ici. Donc voilà, vous avez des petits cœurs, vous avez... Enfin voilà, c'était super mignon. Le bois, j'aime beaucoup ce bois-ci, tout simplement. Et voilà. Et puis ensuite, j'ai acheté donc ces petits faux livres. Donc à savoir qu'en fait, dedans, vous n'avez rien. Vous pouvez mettre vos livres à vous. Je les ai achetés sur Wet Wing. Donc c'est un site aussi qui vend des trucs de déco. Mais ça met du temps hein, pour venir, ça met beaucoup de temps pour la livraison, mais c'est vraiment de la qualité. Hein. Sachez-le que West Wing, c'est un de mes sites préférés donc au niveau de la déco. Et on va finir avec ceci, donc ce sont encore des fausses fleurs. Et ben oui, hein, je vous l'ai dit que j'étais très très fan de fausses fleurs, donc si vous trouvez ça kitsch, vous allez trouver cet appartement très kitsch. Hein. Donc voilà, et là vous voyez beaucoup mieux la frise et le papier peint aussi, ce que ça donne. Mais voilà, donc les fausses fleurs achetées sur Action. Hein, magnifique fausses fleurs. Le pot également chez Action. Et ensuite, donc j'avais acheté à la foire fouille du sable violet. Donc j'en ai mis au fond avec des petites billes roses. Donc bah voilà, hein, tout simplement. C'est des choses que vous pouvez trouver un petit peu partout. Et ah oui, si ça peut vous intéresser, j'ai acheté aussi ce plateau, donc c'était sur Amazon. Bah, je m'en sers en fait plus pour mettre mon petit bordel, donc voilà, quand j'ai des choses que je sais pas trop où les mettre, ou quand je vous fais des vidéos aussi haul ou make-up, je mets tout dessus, comme ça au moins j'ai tout à portée de main, donc voilà. Si vous faites des vidéos, c'est pas trop mal d'avoir un truc comme ça, ça peut servir, hein. Ben écoutez, donc voilà pour ce petit, cette petite vidéo salon tour. J'espère que ça vous a plu. Donc après, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un style shabby romantique. Donc moi, c'est ce que j'aime. Après, je me suis beaucoup inspirée de Pinterest. J'ai regardé vraiment tous les sites possibles et inimaginables
pour savoir qu'est-ce que je pouvais acheter. Donc voilà, en tout cas, je suis assez contente du résultat. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé, si vous trouvez ça aussi assez sympa ou pas. Et puis bah, si vous, il y a des trucs que vous avez envie d'acheter, n'hésitez pas à regarder en dessous de la vidéo. Je vous mets les liens comme d'habitude. Et puis bah, en attendant, je vous fais vraiment de très très gros bisous. Donc voilà, et un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo aussi. J'ai hâte de lire tous vos commentaires. À très vite, bisous bisous.